pluie de joie et de bonne humeur sur vous. Aujourd'hui, il va se passer du très lourd. Je suis actuellement sur un podium avec une giga coupe à côté de moi. Je sais pas encore si c'est moi qui vais la remporter, mais aujourd'hui, on va s'affronter au volant et ça va être absolument incroyable. On va se challenger sur une piste de karting. On va tout simplement faire le dernier qui s'arrête de rouler. Pour ça, on est dans un karting qui est entièrement privatisé pour nous. On est à Paris Kart Indoor. C'est la plus grande piste de karting de France en indoor, qui est plutôt cool. On va tout simplement faire deux manches. On va commencer à rouler avec des petites voitures électriques. C'est fait pour les enfants, mais bon, on est un peu des grands enfants, donc ça passe. Et après, on va tout simplement faire une manche où on va rouler avec des vraies cartes. Et là, je vous expliquerai un peu qu'est-ce qui va faire qu'on s'arrête de rouler, tout simplement. Et cette vidéo est aujourd'hui possible grâce à Wisby Drive. Wisby Drive, c'est tout simplement une plateforme. C'est un super bon plan pour les jeunes et ça vous permet de réviser le code de la route. Moi, je me rappelle quand j'ai passé mon code, je suis passée par une auto-école en format standard, finalement. C'était, ma foi, plutôt galère, je dois l'avouer. Faut aller réviser directement sur place. Et avec Wisby Drive, vous avez accès aux questions officielles du code de la route et le tout pour moins de 20 euros. Et ça, c'est possible parce que grâce avec le code promo Camille, qui s'affiche juste ici et qui est vraiment merveilleux, vous avez moins 30% sur l'offre illimitée Wisby Drive et ça vous revient à 17,50€. C'est vraiment pas cher par rapport aux auto-écoles, c'est trop bien. Et grâce à ce code, vous pouvez réviser en illimité avec des questions officielles. Il y a plus de 2200 questions sur 160 séries de tests. Franchement, je vous challenge de toutes les finir. Le site est super ergonomique, on passe un vrai bon moment et il y a même des fiches thématiques si jamais il y a des sujets que vous voulez voir un peu plus en profondeur. Image de moi qui passe un très bon moment sur le site de Wisby Drive. Le lien est dans la barre d'infos ainsi que mon code. Merci encore à Wisby Drive de sponsoriser cette vidéo. C'est parti, on va s'affronter sur des questions du code de la route et présentation avec des plans un peu épiques du casting de cette vidéo avec une transition pied. Bienvenue à tous dans cette vidéo. Baba bang. En vrai, on n'est pas trop stylé là, en vrai. Non. Ce qui est cool, c'est que là, si on est fort et si on va assez loin dans le concept, on aura des véhicules beaucoup plus stylés que ça, puisqu'après, on va utiliser des vraies cartes. Ça ira un petit peu plus vite. J'ai une question. Pourquoi Pierre, c'est le seul qui a un quad avec trois roues? Avec le poids, je suis même pas sûr de démarrer là. On n'a pas testé encore. Alors, c'est vrai que normalement, c'est fait pour les enfants et il y a écrit sur le site qu'il faut peser moins de 35 kilos. Personne ne pèse moins de 35 kilos. Je vous explique vite fait les règles. On va tous rouler. C'est pas une course. Le but, c'est juste de pas s'arrêter de rouler. On va avoir des questions de code qui vont nous être posées quand on mettra notre casque via une petite oreillette. Et à chaque fois qu'on répondra faux, on aura un handicap. Donc, par exemple, avoir des lunettes qui déforment la vue, avoir des poids en plus à mettre par-dessus nos véhicules ou encore devoir changer de véhicule et avoir... T'as perdu quand, Lucas? Oui, c'est bon, ça. Lucas, tu gardes tes lunettes pour la course ou pas? Sinon, je vois rien, donc oui, forcément. Et le tout dernier handicap, c'est tout simplement de laisser son véhicule électrique et de prendre un truc à pédale. Voilà, faudra pédaler, faudra donner de la force. La piste est très très grande ici, donc nous, pour rouler avec ces petits trucs, on a dû la couper et on va rouler sur un quart de la piste parce qu'on peut pas monter le pont. On va rouler sur la droite parce qu'on respecte le code de la route et on fera le retour sur la gauche tout simplement. Allez. Camille, une question. Ben et moi, on a vraiment des protections pour les mains si on va trop vite. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. C'est exactement ça. Vous êtes prêts? C'est parti. On va mettre nos casques quand même. Sécurité routière. Est-ce que tout le monde est prêt à démarrer? C'est parti. 1, 2, 3, c'est parti. Allez. C'est si dé... Ciao, loser. Alors, les gars. Attends, mais Ben, il va hyper vite. Non, c'est pas du tout. Je vais prendre le moteur, le véhicule à pédale. Donc là, Pierre, en fait, n'a pas réussi à démarrer son quad, donc... On lui a changé son véhicule au dernier moment pour lui mettre une sorte de... C'est quoi, un tracteur une pelleteuse? Mais ils vont trop vite! Pourquoi moi je vais pas aussi vite? Oh, le confort de ce véhicule. J'ai envie de faire une rubrique Auto Plus, de vous faire un petit tour de ce véhicule. Il est quand même très très bien aéré. Heureusement je fais 35 kilos, hein, sinon ça aurait été chaud. Hein. C'est comme ça que je double. C'est comme ça que je double. Oh mais Pierre, il a 1000 ans derrière nous. Il y a un décalage vraiment entre Pierre et moi là. Salut Ben. Attention! Ah, contact! Les amateurs de sport automobile se régalent. J'ai hâte ta vidéo. Ah, j'aurais pas dû manger pizza hier, là le mien est ralenti déjà. Ah pizza sur la Vespa. Mais il va trop vite. Mais regarde-le. Par contre, je peux pas faire 4 tours comme ça. Je peux prendre la tournette comme ça.
Salut. Incroyable ce dépassement. C'est très long. Le temps de conduite raisonnable entre deux arrêts est de 4 heures, 3 heures, 2 heures ou 1 heure. 2 heures. Et c'est une bonne réponse. Oui. Je suis autorisée à conduire un quadricycle lourd à moteur dès l'obtention du permis B. Oui ou non? Oui. Bonne réponse, Fred. Lors d'un contrôle de police, je dois pouvoir présenter la carte grise, l'attestation d'assurance, la vignette fiscale, mon permis de conduire. Ouais, tu dois présenter le permis de conduire, l'assurance et la carte grise. Bien joué. Pierre, tu m'entends? Attends, je suis en plein virage là, je gère mon épingle. C'est bon. Le véhicule qui rejette le moins de gaz polluant fonctionne à l'essence sans plomb, au gasoil, au GPL, à l'électricité. J'ai électricité. C'est ça. Ouais. Camille, ta vie a l'air tellement bien. Mais je suis trop en retard. Ma voiture a plus de 4 ans. Le contrôle technique doit être renouvelé tous les 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Mais c'est évidemment tous les 3 ans ça. Et non, c'était 2 ans. Oh putain. Donc là, Lucas, tu dois mettre ton masque. C'est pas grave, j'avais 1000 ans d'avance là. Mais attends, mais il est hyper loin. Mais c'est abusé. Chez les conducteurs de deux roues, le port du casque peut réduire le risque de décès de 70% ou 40%. 70. Mauvaise réponse. Sérieux? Aïe aïe aïe. C'est quoi le gage là? Le gage maintenant, c'est les voitures à pédale. Oh non! Oh non, j'aimais trop mon Vespa. Je parcours 500 km sur l'autoroute. Circuler à 120 km/h au lieu de 130 km/h augmente le temps de trajet d'une heure. Oui ou non? Non. Encore une bonne réponse pour Ben. J'ai mal au dos. J'ai mal aux jambes. Sur l'autoroute, il est préférable de rouler légèrement surgonflé ou légèrement sous-gonflé. Légèrement surgonflé. Bien joué. Merci à tous. Dans tous les cas, j'ai un gage à chaque fois. Mais on a rien de se pousser comme ça avec les pieds. Eh, c'est mon camion Ben du coup, c'est derrière moi. Oh oui. Je change de véhicule. J'ai pris mon truc à pédale, moi. Et j'ai un vrai kart. Quelle intelligence de jeu. Il lit toute la stratégie de son adversaire. Oh non. Il revoit la bonne position. Oh là. Non, il est sorti de terre. Ah non, non. Je roule sur un truc là. Elle a un plot d'échappement. Oh, la belle ligne droite là. Il peut prendre de la vitesse. Oh, c'est Lewis Hamilton. À 1036 tonnes. Vas-y, pédale. Putain, mais c'est quoi là? Il me tracte. Ah, le bâtard. Je vais le dépasser. Aïe, aïe, aïe. Je prends la première place. Mais ça va beaucoup plus vite que mon Vespa électrique là. J'ai un bon rythme. J'ai un bon rythme. Pour info, c'est hyper sportif de pédaler avec les genoux sous les oreilles. Arrêté au feu rouge, je passe la marche arrière pour actionner la caméra de recul. Oui ou non? Vrai? C'est une mauvaise réponse, Camille. Oh non. Donc maintenant, tu peux aller récupérer une gueuse. Y'a, vos premières, c'est un virage. Non, on est solidaires. Le gars à droite! Toi à droite! Les gars! On a quelqu'un qui s'est arrêté! Attends, mais... Non, je me suis pris un mur, je sais pas quoi, je vois plus rien, les gars! On a rien vu! Oh non, Lucas, tu nous quittes! Oh les gars, j'ai pas envie de vous abandonner! On s'amusait, on gambadait tous ensemble! Oh, je suis dévasté! Je peux enlever ça! Oh, je revois le mur! Ah, c'est donc ça les couleurs! Ah, mais j'étais là! Oh, je pensais que j'étais bien plus loin dans le parcours! Je m'arrêterai jamais! C'est trop lourd, moi, ma gueuse! Fred, en cas de forte pluie, je peux allumer les feux de brouillard arrière, oui ou non? Bah oui, c'est évident! Oui, oui! C'est oui, bien sûr, c'est oui! Mauvaise réponse! Mais non! Ah du coup là je prends deux gueuses. Les gars, je peux plus avancer. Quoi? Les gars, je peux plus avancer, c'est trop lourd. Tu nous quittes là dans un virage comme ça sur la zone d'arrêt? C'est si tristement qu'on dit au revoir à Fred. Les gars, c'est terminé pour la première manche. Fin du temps imparti. Oh, tant mieux parce que j'avais pas la réponse. Oh, j'ai des courbatures. Ah, j'ai mal partout. Et on perd donc deux personnes sur cette première manche. J'ai excessivement mal aux adducteurs. Ah, je sais pas quel muscle, je connais même pas les muscles que j'ai mal. Le monde me paraît si calme sans le casque. Ouais, et sans le bruit du moteur aussi. Enfin, moteur. Donc, c'est compris. Je t'ai dépassé tout à l'heure? Sans remorque? Oh là là! Vous l'avez, les deux? Les deux, hein, vous l'avez. Ouais, on fait une transition pied et on se retrouve dans les cartes. Pierre, Benjamin, Camille, on se retrouve dans un level un peu supérieur. Ouais, enfin des trucs à une taille, et encore. Toi Pierre, tu maîtrises un petit peu. J'ai quelques heures de circuit. Ben, toi t'as combien d'heures de circuit? J'ai 5 minutes de circuit, dont un accident à mon actif. D'accord, super. Donc le temps de l'accident et des renforts. Premier virage, merci, au revoir, et je suis parti manger un panini. Directement là-bas dans... Là, la mécanique, elle va changer un petit peu. Oh là là, jeu de mots là, les gars. On va aller un peu plus vite, donc pas de handicap, de style masque qui déforme la vue et tout, c'est un peu trop dangereux. Par contre, à distance, on va se faire ralentir notre carte à chaque mauvaise réponse. Donc là, on commence à 100% de la vitesse. Si on répond faux, on se fait baisser à 50%. On se fait
baisser. Ah ok, j'entends pas. Si on répond faux, on se fait baisser à 25%. Et si on répond faux, on se fait arrêter complètement. Et on continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un gagnant. C'est pas une course, le but c'est juste de continuer à rouler. Tu te promènes quoi, c'est tranquille. Et le gagnant aura l'immense chance d'aller sur le podium avec le trophée. Oh putain, le trophée! Vous êtes prêts? We all in this together, what we know. Allez, on met nos casques. 3, 2, 1, c'est parti. Oh, oh. Ready? Mais oui, mais je sais pas faire, moi, c'est la première fois. Je découvre les sensations. Et les gars, j'ai pas précisé, mais si quelqu'un fait un tête-à-queue, c'est fini, hein. Bah moi, à la vitesse où je vais, le tête-à-queue, c'est tranquille, hein. Ah oui, ah mais Ben, Ben, il est presque arrêté. Camille, sur un véhicule automobile récent, il est interdit d'avoir des pneumatiques de marques différentes à l'avant et à l'arrière. Vrai ou faux? Vrai. C'est une mauvaise réponse. Oh non, pas déjà. Oh la pauvre Camille. J'ai même pas eu le temps de découvrir ce qu'était le karting. Attends, Pierre, je te rejoins. Vas-y. Pierre, je te rejoins pas. Oh là là, mais quelle course de Derica. Ça va beaucoup trop vite. Pierre, la possession d'un constat amiable est seulement recommandée ou obligatoire? Recommandée. J'attends très fort sur cette descente. Je voulais pas perdre la tête. Oh là là, bien joué. Oh ma GoPro. Oh ma GoPro. T'as perdu ta GoPro? Ouais, tiens, mais elle me filme plus. Elle est. C'est pas des bons stickers, ça? Ah, elle est tombée. Je fais attention en arrivant. Oh là là. Attends, je dépasse Benjamin. Oh là! Attends, mais Camille, je t'ai déjà doublé, moi, je t'ai jamais doublé encore. Non, tu m'as pas doublé. Putain, mais t'es meilleur que Ben, là. Ah bah oui, Ben, il se promène. Camille, je dois désactiver l'airbag passager lorsque se trouve à côté de moi un siège bébé dos à la route, un enfant de 10 ans, une petite personne. Un siège bébé dos à la route. C'est une bonne réponse. Oui. Ben, en l'absence de signalisation, je peux stationner au maximum durant un jour, 7 jours ou un mois. Absence de signalisation, un jour. C'est une mauvaise réponse. Ah, donc Ben, t'as une question de t'arrêter là. Ouais, et même, il va s'arrêter là. Je le vois, il va s'arrêter bientôt. Bon bah moi je suis toujours sur mon 80e tour à 20 km/h. Tu veux pas accélérer un peu Ben? Ah oui, mais tu peux plus là. En fait je suis comme un pilote, et moi je suis le hollandais sur les routes. Moi les mecs ont une caravane. Ah non, je veux pas qu'il me rattrape. Camille avant. Et j'arrête, Camille avant. Oh mais tu m'as déjà rattrapé. Camille, les pneus s'usent plus rapidement s'ils sont sous-gonflés ou surgonflés. S'ils sont sous-gonflés. C'est une bonne réponse. Oui. Benjamin, utiliser la climatisation me permet d'aller plus vite, me permet d'économiser du carburant, fait augmenter le rejet de CO2. C'est une bonne réponse. Va te ralentir, Pierre. Si je circule à 140 au lieu de 110, je risque 3 points en moins, une obligation de stage de sécurité routière, une suspension de 3 ans du permis, 1 an de prison. Tu risques les points là, le truc des points et c'est tout, non? Non, c'est une mauvaise réponse. Je vais mettre un petit stage aussi, je vais vous prendre un petit stage s'il vous plaît. Oui, oui. Pas dans la matin. Pierre, t'es à 50% là? J'ai une question fausse. Ah oui, t'es à 50%, comme moi. Benjamin, t'es où? La coupe là, elle me regarde, elle fait des beaux yeux la coupe. Oh, nous, on se percute. Ah, la course à grande vitesse. On est à 50%, en fait. Oh. Ah, non, il repasse devant. Si le chauffage est trop élevé, cela peut influencer le temps de réaction, oui ou non? Oui. Bonne réponse. Oui. Ben, s'il répond faux, là, il s'arrête. Benjamin, pour économiser du carburant en descente, je peux me mettre au point mort, oui ou non? Oui. Désolé Ben, c'est une mauvaise réponse, tu t'arrêtes maintenant. Ah, la défaite de Ben. C'est la finale, c'est la finale. Ah, moi je suis à zéro. Ah non, tu s'arrêtes. C'est la fin pour Benjamin. C'est dur, je m'arrête devant le drapeau. Grande finale là. Sont classés comme véhicules d'intérêt général prioritaire les pompiers, le SAMU, les médecins de garde départementale, les engins de déneigement et de sablage. Les médecins? Non, les pompiers SAMU là? Ah et B. Bien joué Pierre, c'est une bonne réponse. Non. Vas-y, rebalance une question pour moi. Camille, pour dépasser un cycliste en agglomération, je laisse au minimum une distance latérale de 1 mètre ou
1m50. 1m50. Mauvaise réponse, c'était 1m. Oh non. Oh non, ça ralentit. Tu as 25, ça m'a ralenti de ouf. J'arrive quand même. Je suis dégoûtée, c'est hyper lent. Pierre, les chaînes à neige sont obligatoires sur les 4 roues ou sur au moins 2 roues motrices. Pourtant, je suis fan de chaînes. Réponds faux, réponds faux. C'est sur les 2, sur les 4 roues. Mauvaise réponse. Oh oui, oui, oui. Oh non. Oh, c'est si serré. Donc là, sur la prochaine question, si on répond faux, on perd. Oh là là, on la rattrape. Oh. Camille, lors d'un contrôle, je constate que mes pneus sont surgonflés. Je rétablis les pressions normales, j'égalise sur le pneu le plus gonflé. Je rétablis. Mauvaise réponse, c'était la B. Oh non, 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 non. Je la fais pour Camille, je la fais. Non. Je suis dévasté. Il me crie dans les oreilles, c'est terrible. C'est terrible pour moi. Il remercie son public. Oh là là. Il remercie tout le monde. C'est très très fort ça. Il fait sa parade. Son public qui l'acclame. Il y a mon téléphone qui est tombé entre mes jambes. Ah, il est là. Il est là, il est là. Il est juste ici. Quelle victoire! Je remercie mon staff, mes préparateurs physiques. Je remercie Wisby Drive. En fait, j'ai pris les cours de code de la route pour être sûr. Bien joué. En vrai, c'était trop bien. Est-ce qu'on peut annoncer? Dans le vlog après. Juste après, dans le vlog, on va vivre des sensations incroyables. Et si vous voulez voir la suite de cette vidéo, genre ce qui va se passer maintenant, ça se passe sur la chaîne de la maison. Je vais faire un tour à Camille à fond avec les cartes à deux là. Oh là là. Objectif vomi. Je pense que j'ai autant peur de toi que du kart. Ah bah le kart n'est pas dangereux. Énorme victoire de Pierre. Oh, il est si heureux. Tu vois ce regard. Il est détestable. Bah vas-y, prends ta coupe. Vas-y, oh oui. Brandis là. Oh là, quel honneur. Waouh. Je suis trop content. On dirait pas un anniversaire un peu. C'est sympa. Merci à tous d'avoir participé à cette vidéo. Avec plaisir. Merci à tous. Bien joué Lucas, au fait, je sais pas si je suis remercié. Bien joué Camille. Attends, c'est à toi, c'est ta vidéo, t'es la seule en rouge. Merci à tous d'avoir participé à cette vidéo. Merci encore à Wisby Drive d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas qu'avec le code Camille qui est dans la barre d'infos, vous avez moins 30% sur l'offre illimitée Wisby Drive et la première série est offerte si vous n'êtes pas encore inscrit. Dites-nous en commentaire si vous avez réussi à répondre aux questions qui ont été dans cette vidéo. Est-ce que vous avez été meilleur que Lucas qui est parti en premier? Pour une fois que Pierre a une belle coupe. Oh, ça marche bien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Plus d'amour et de bisous.